Bienvenue tout le monde dans Lettis Path of Progress. Donc nous sommes de retour dans la mission 21 de la campagne. Nous avions débuté en construisant 3 blocs d'habitation, en fournissant déjà de l'alcool, et j'avais terminé la mission en surplus de population, de main d'œuvre surtout. Donc on va commencer à étendre nos industries, enfin surtout de se faire un peu plus de blé. Le terrain est vraiment pas facile hein, parce que vous voyez, il y a toutes ces chaînes montagneuses qui empêchent de faire, qui obligent à faire de grandes routes. Et en plus, là, je viens de voir que il n'était même pas connecté. Vous voyez, j'ai fait toute cette grande, ce grand pipeline. Voilà, donc là, en attendant de devoir consommer. La serre impériale est achevée, mais je l'ai déjà fait dans genre il y a 5 épisodes. Loin à l'ouest, dans les terres intérieures, l'urbaniste Hélène Hosselm a achevé la construction du plus grand monument de Lettis à ce jour, la grande serre impériale. Victoria s'est rendue... Ah non, nous, c'était pas la serre impériale, hein, c'était le jardin botanique. Mais il me semblait que la serre impériale avait déjà été terminée. Bref, Victoria s'est rendue en personne sur place pour l'inauguration. L'effet est donc que le bonheur général de nos citoyens augmente. Yay! C'est pas qu'ils étaient particulièrement malheureux avec moi non plus. Hein. Donc, Onward, mine de cuivre. Hein. Alors, au moins le cuivre. Hein. Enfin, les mines de cuivre. Hein. J'en ai où il faut. Du coup, on va arrêter d'être bête et on va faire ça. On va vérifier qu'il y a bien une route, oui. Donc là, on produit du cuivre qu'on va accepter ici. On va accepter des ustensiles. Bah, je pense que j'ai largement assez pour 3 blocs. Ils ont encore du stock tous là. C'est parfait ça. Donc lui il va accepter l'alcool. Eux, je vais leur mettre tout de suite le théâtre. Eux, ils tournent très bien. On met tout de suite 2 usines d'ustensiles. Et on va commencer par exporter des ustensiles, histoire d'être sûr d'avoir de se faire du blé. Ouais, je pourrais avoir facilement 4 industries d'acier. Et au niveau de l'or, je peux facilement en exporter un ou deux de plus là. Alors sauf que là c'est les cuivres, les prochaines ors. Hop. Bah, de toute façon il va me falloir tout ça. Alors de l'or, bah, on va en créer là. Enfin en créer non, mais je vais commencer à stocker de ça. Ah super, je peux mettre là. Je peux mettre là. Le son, ça suffit largement. Allez, 800 même. Là, les 3 ils produisent tranquillou. Ça va, le poisson ça va, ça se remplit. Le
Les gens, ils arrivent. Donc ouais, je voulais d'autres. D'autres quoi? D'autres mines d'or. Sauf que là, les mecs, ils vont devoir faire un tour gigantesque. Et c'est un peu pénible pour le coup. Plus rapide de les apporter par là, vous voyez. On va au moins construire une route, histoire d'être sûr. Et ce geyser là, on va en avoir besoin. Alors, on ne peut plus passer là en fait. Ça, je vais juste la laisser produire. Je vais importer de l'alcool. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir lui à l'alcool. Parce que lui, il a du stock. Lui, il a du stock. Ok. Là.
tour supplémentaire, on va se faire on leur file le théâtre. Allons-y, les gens viendaient. Voilà, j'aime voir ça. On peut réduire un peu en poisson. J'image 1%, très bien. On active lui. C'est que là normalement j'ai assez de champ pour ah j'ai ma souris qui bug là aujourd'hui, j'ai assez de champ que pour genre deux distilleries et demie. Je vais quand même refaire un ou deux champs de plus. De toute façon, le chômage est à 5%. Alright, donc à la limite celle-là, ça nous fait 4 mines de fer. J'active celle-ci ainsi que celle-là, donc encore une autre mine de cuivre. J'active tout de suite un troisième. Une troisième quincaillerie qui produit les ustensiles. Ok, là on paraît bien. Niveau métal, je peux exporter vachement plus. Parce que là, c'est deux industries. Là, c'est deux industries à nouveau. Je peux encore en construire une. Alors, ensuite, là, le poisson s'est abaissé. S'arrêter un, deux, trois, quatre. Donc là je fais assez de il accepte la quincaillerie. Qu'est-ce que je peux importer en bouffe? De ça, donc de la viande pour
Tout va bien. Allez, messieurs, va me chercher de la quincaillerie. Allez, ils ont toujours de quoi. Ouais, c'est limite. Vous voyez, les mecs, ils arrivent à temps. Pour les mines, c'est pas trop grave. Où en est son stock? Il augmente, tout va bien. Là, il tourne. Au niveau de l'or, j'en produis plus que nécessaire. Des automates également. Je les ferai là. Hein. Oula, on s'en fout. Parce que 120 automates, il m'en faut. Une usine de tomates en fait 15, donc 2, 30, il m'en faut. Waouh, il m'en faut 8. Si eux ils voulaient bien augmenter, donc on va hop et hop mettre tout de suite. Du coup, lui, lui augmente, lui accepter la viande. Comme ça, ce bloc-là augmente déjà au niveau supérieur. Doucement, mais sûrement. Okay, très bien. Lui il s'arrête pas, il tourne. C'est malin, maintenant le chômage est élevé. Bah là l'or tend à s'accumuler. On va vendre des ustensiles. Allez, encore une usine d'ustensiles. Une mine de fer. Voilà. Et donc encore un atelier, enfin un fourneau. Toutes les... Attends, je suis toujours à 22%. Quand eux, ils bossent pas. Ils ont de la marge, donc je vais pas importer d'alcool. Ah, ouais, ça fait maintenant que les bossent. Eux aussi.
360 chômage. Alors, voyons. Ça rime à rien d'exporter de l'absinthe. Ah, je fais déjà tout ce que je peux. Je fais à peu près tout ce que je peux. Allez, on va se faire une cinquième usine de quincaillerie. Une cinquième quincaillerie tout court. Voilà. De toute façon, ça s'est produit par deux quincailleries en un an. Il va falloir que je fasse une autre qu'est-ce qu'il y a fait là, une autre mine de quincaillerie par contre, de cuivre. Par contre, je sais pas du tout où je vais trouver ça. Non, c'est pas là. Ah non, je... On va voir la même chose qu'avant. Mon dieu, où est-ce qu'ils sont? Ouf. Pénible. Alors ici, heureusement ils détruisent pas les routes. Ici, je pense que j'ai jamais eu un centre d'industrie aussi compact. Ok, ah mais je suis bête, le chômage c'est pas un problème en fait. Donc lui on va le passer en absence de quincaillerie, du coup je vais limiter l'export. Poisson, poisson, c'est pas grave. Je vais quand même être un peu limité du coup. D'accord, comme on dit, c'est un chemin qui suffit. De mettre E. Alors idéalement, il faudrait produire encore plus d'acier, pourtant j'ai vraiment mis toutes les mines. Où est-ce que j'ai encore un peu d'acier? Je regarde au niveau de la map, il n'y a pas grand chose.
autant pour moi. On leur met lui et lui. On va détruire genre lui. Lui il est à peu près stable. Donc là j'ai encore de l'or. Il faut vraiment que je recherche où est-ce que j'ai encore des mines à construire. Nulle part. J'ai construit toutes mes mines. Du coup, niveau alcool, on est bon là. Ils ont un poil, il y a encore un poil. De toute façon, il y a encore de la réserve, ils sont en train de produire. Plus de nourriture. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Mettre des mines, des fermes de blé, puis produire un... Du coup, en fait, je vais le mettre là. Je vais le produire là. Faire un granary ici. Oui, il sera pour ça. Et la viande. Ici, tu produis. Enfin, je mets des ranchs, du coup. C'est là. Ouais, ça va être un peu n'importe quoi là. Non! Où est la manche là? J'en mets un deuxième. Je peux en mettre un là. Bon, je sais déjà, j'en ai deux. Pourquoi il bouge pas, eux? Ah ouais. Je crois que c'est là où j'ai encore. Après ça, c'est une mine d'or, du coup je vais la virer. Ça me permet de faire une mine de fer en plus.
ça dépendait de la position de celle-là. Ouais, mais vous voyez, c'est mal fait parce que j'ai pas le choix. Je me demande si j'exporte assez d'or en fait. En tout cas, on gagne un max de blé, ça c'est bien. Ça allait pas, je vais juste... Comme ça en fait, ils consomment les employés mais sans consommer de ressources. Bah du coup on va construire d'autres. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça m'en fait 90. Il m'en faut encore 2. Tout ce que je peux. Je peux pas importer de blé, non. Bon, et ben, ça fait assez longtemps. Je vais juste encore construire deux autres usines de tomates. Voilà. Ah, bien ça. Voilà. Et ben, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans Lettice Path of Progress. Ciao tout le monde, à plus!